Mais nous allons faire une nouvelle partie. Cette action effacera tous les sauvegardes automatiques précédentes. Pas de soucis. Let's go, refaire une partie. Du coup... difficulté de combat. Bah, moyen, hein, très bien. Tout en moyen. Ça m'ira très bien. Allez, messieurs, dames. Choisissons la difficulté moyenne. Et je pense que je vais m'enlever. Allons-y pour la cinématique. Je crois qu'il y en a une. Il nous souhaite la bienvenue. La moitié d'un type, un monstre qui lui donne des stats en plus. Son but est de tuer tout le monde sur la carte. Il va avoir envie de le re-télécharger, ça. Pour notre ami Mike Sherlock, messieurs dames. Kage, bisous, bisous, passez, passez. Y'a pas de parachute. Je sais. Prépare-toi à sauter. C'est hors de question. Jonah, il le faut. Mais t'as perdu la tête ou quoi, Lara? On n'a pas le choix. Hors de question, je saute de l'avion. Aïe. À tout tiède. Aïe. Ça a l'air de faire boubou. Jonah, t'es là? Merde. Jonah, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Du calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis en route. Ce sera pas long. Allez, l'action commence, les amis. Là, on est sur un flashback. Pas bobo. Pas bobo pour Lara. Non, non, mais c'est sur un flashback. C'est pas la suite de l'accident, ça. Allez, ma grande. Allez, pousse. Oh, la jambe défoncée. Ah, ça fait grave bobo, quand même. Elle est un peu en souffrance quand même. Elle a pas l'air en méga forme. Allez, là c'est moi qui me déplace, les gars. On y va en avance. Après, je me décale un tout petit peu, les amis. Elle est où la cam? Bas droite, full cam, haut droite, bas droite. On va aller chercher celle-là, la full cam. On va aller chercher celle-là et pareil. Ouh, on n'a pas une plus petite que ça encore. Voyons.
a pas une petite cam, une toute petite cam, voyons. C'est un peu grand encore. C'est la scène LOL, c'est la plus petite. Ouais, c'est celle-là la plus petite. C'est dommage. Dommage, fromage. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on va se mettre la cam bas droit. Bon, ce sera la mieux, les gars. Hop, allez, c'est parfait. On reprend, excusez-moi. Allez, c'est moi qui monte ici. Allez, ça monte. Let's go. Allez, poulette. Hein. Fais des forces, tu montes. T'as par contre la spéléologie, les gars. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment un truc que je peux pas faire. Hein. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Là, elle a plus de jambes, normalement. Elle est en train de monter au calme. Ok. Voilà, tout si petit. Rade le passage, rade le passage, comment il est tous les trois. Ah ouais, mais derrière tu... C'est vraiment dur, hein. Elle a retrouvé sa pique. Ah oui, c'est un bandage rapide. Ah. Il y a un mec qui est pas très très en forme ici, les amis. Ok, ZSQD, sauter pour... espace pour sauter. Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les trinitaires n'ont pas fini. Elle est belle, tu protèges quelque chose. Les trinitaires n'ont pas fini. 6 semaines, et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des trinitaires. Mais j'ai parlé à des gens en ville, et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Oh, j'ai cru qu'il y avait un mec là. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. Oh. Ok. Il a pas passé un bon moment. Eux non plus, ils ont pas passé des super moments, les amis. Voilà, ça n'avait pas l'air d'être la joie. Allez, on escalade. Let's go. Il est très très beau ce jeu, les amis. Hein. Vous allez kiffer si vous suivez le gameplay avec moi et tout. Vous allez kiffer. Bon, le jeu est très très beau. Z. Wow, on met toujours plus. Hein. On est là. Donc, on en est là, les gars. Allez, ZQSD pour vous déplacer sur les parois. Inclinées. Heureusement qu'elle a des pompes à pic. Hein. Les pics qui sont apparus tout juste là, hein, je les ai pas vus depuis tout à l'heure. Mais. Non mais. Hé hey. Ça va ou pas? Oui, bien sûr. C'est une évidence, les gars, c'est une possibilité. Une facilité déconcertante, hein, bien sûr. On saute? Wow. Oh là là. C'est si haut. Jonah, j'y suis. Oh, wow. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Be careful, my friend. Ok. J'ai oublié ça. C'est beau de ouf. Oh, yes. Cette caisse, c'est vrai qu'il y avait, y a rien dedans. Allez, on enchaîne là-dessus. Exactement. Les jumps dans les parois comme ça, inclinés, bien sûr, on le fait facilement. Magnifique. Magnifique, par contre, c'est vrai. Très très beau tout ce qu'il y a autour. Ouai. Oh, aïe aïe aïe. Elle passe en mode touriste. Lara! T'es. Oh, mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Non, ça va. C'est quoi tout ça? Des constellations.
Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, c'est un bon... Non, les dégâts sont antérieurs. Si je m'en rappelle bien, je note un bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Lara. Il faut qu'on sorte d'ici. Lara. Non, j'ai besoin de ça. Allez. Cours, 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 cours. Vite, cours. Cours, là, cours. Allez. Oh, c'est hyper beau, putain, c'est incroyable. Si tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. Non, mais tu fais la touriste aussi. Tu serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah. Eh, ça te dit de souffler un peu ? On pourrait se poser au café. Hop là, ça drague. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café... On doit super bien manger. Et je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Voilà. Du nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Pérou. Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où il va. Il va au Pérou. Hé, hey, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Les Trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. On va être discret, les amis. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Oh non. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez ? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part Thomas, dans la cour. Thomas, calme-toi. Ouais. On va le chercher. Calme tes ardeurs, putain. Attention, il y a le bureau qui se lève tout seul. Salut, Samy. Comment ça va ? Le motif est sur ma gauche. Je peux le pousser ?
Ça fait ça, salut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tourne la tête, ouais. C'est trop ça. Ah, il a mis une claque. Ah oui, ils sont tapés dans la main, nous dit. Bah ouais, l'animation était mal faite. La casa mexicana, les gars. Ah, j'ai une discussion à faire avec un petit là. Il y a tout ce qui colle là-dedans. Salut, regarde, toi. Regarde, c'est pour mon père. Je pourrais en allumer un pour ma mère. Salut. Super. J'aime pas vraiment la foule. Les sa mère est morte d'ailleurs, les amis. Qui ne savent pas. Non, je survivrai. Jonah, il arrive à la porte. Je le vois. Moi, j'ai passé à droite là-bas. Bien. Ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Allez, on va passer à droite. De ces gars. Hey les gars, comment ça va? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Paix à son âme. Quelle lourdeur. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. À plus dans le bus, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. À plus dans le bus, ma parole. Jonah, j'y suis. Ok, ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Jack Martel. Yelena Fedorova. C'est quoi l'objectif, là? Suivez... Dominguez. Ok. Sortez-vous. Pardon, excusez-moi. Ah, dégagez là. Casse-toi. Mec, trop bien. Casse-toi, je te dis. Laisse-moi passer. Je suis Lara Croft. Je suis la fille Croft, ok, c'est bon. Vous avez pris contact avec le conseil, commandant? Oui, monsieur. Quel fiasco au Brésil. Personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. On écoute. Tout le monde se tient prêt. Tout le monde se tient prêt, très bien. On peut suivre, là? Pardon. Allez, c'est passé, là. Jonah, Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des trinitaires. J'avance, je vais pas chercher trop sur les côtés. Faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. Oh! Disculpe, señorita. C'est moi. Disculpe, señorita. Désolé, ça dit disculpe, je savais même pas. Franchement, les graphismes du jeu sont insane quand même. C'est beau, hein? De ouf, non? Cette fête mexicaine, là. C'est la fête des morts, ça, non? Des crânes partout, mais je bien joué. Il a déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Mais non, je c'est pas moi. M'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. C'est... ouais, c'est Rise et ensuite Shadow, ouais. Comme j'ai fait le Rise... Docteur, son muchos de sus hombres. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien les marques. Vous vendez des trucs, non? Ça vend des trucs? Exactement comme moi, Captain. Oui. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche. D'une vingtaine d'années. Ah, quel âge dans tous les films, dans tous les bien. Jeux. Alors, ils la trouveront. Bien. Hors de question que ouais, qui que ce soit. Cherchez-moi. Tu peux me chercher longtemps. Hein. Lui, il est sur son trône d'argent. Alors, t'es bien là? Hé, hey,
Sortez de mon bureau. Pardon. Ah pardon. Fermez la porte derrière vous. Ok. What the fuck, man. J'ai oublié ça. Lo siento. Ne t'en fais pas. Vas-y, la joue. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochain. Bah, j'ai fait le Rise, j'ai fait celui juste avant Thomas. Et ceux d'avant, je l'ai fait sur Play et tout. J'avais pas. J'avais fini un ou deux. Mais ils ont fait tomber une brique Jonah, là. Ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Objectif de surbrillance. Quand vous utilisez l'instinct de survie, je crois que je vois l'objectif quand j'utilise l'instinct de survie. Genre, ah. Ok, nice. Oh, le Rise, c'est Tomb Raider dans les plus récents. Je l'ai pas fait. 1, 2, appuyez deux fois sur espace, ça passe. Non, je l'ai pas fait, ouais, du coup, Thomas. C'est que le Rise. L'arche à l'argent. Ça cache forcément quelque chose d'autre. Une pyramide maya à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est fascinant. Emmenez-le dans les ruines. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Non, non, pitié. Ça sert à rien de compliquer les choses. C'est ta faute. Oula. Tu veux bien te dépêcher un peu? Ils attendent qu'on rentre. Ils sont sortis, c'est parti. Oh mais coup de couteau. Stop, attendez. Je représente le gouvernement. J'ai le droit d'être ici. Et maintenant, monsieur l'archéologue en chef, on vient de mettre un terme à votre contrat. Pitié, non. J'ai de l'argent, je peux vous payer. Silence. Je vous ferai pas de mal. Salut. Vous aidez les Trinitaires? Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Mais ciao. C'est horrible dans le chat. Jonah, les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. C'est dur ça. Oh merde. Faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Ici le commandant Rourke, à toutes les équipes. Préparez-vous pour l'opération Nuit Noire. Ah ça, il faut que je spam cette touche A là. Je ferais mieux de jeter un œil à ces ruines. Tu check un peu partout, tu chopes des trucs. Non, il est pas toujours dans la vue, il assume. Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines. Pour les boobies intéressants, quoi. Ok. Okay. Je sais pas, je ramasse un peu tout ce que je peux, les amis. Excusez-moi. Hein. J'ai des trucs à looter, je les loot. On ajoute, je pense. Allez, on escalade. On enchaîne. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi, j'y ai pas. Je la reconnais. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Ishel. Oh, et là c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé? Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Bien sûr qu'elle est là-dessous, en fait, tu crois quoi? Bon, il faut bien que je descende. Ah, je ramasse tout ce que je peux. Et on va descendre. Et là non, ça sert à rien de monter, on va descendre tranquille. Clic gauche, clic droit pour descendre, rappel sur les mains. Bon, ça devrait marcher. Se détacher, c'est ok.
Ok, nice. Allez, ça court. Allez. Ok, alors. Ça jump. Ok. Ici le commandant Rourke. Salut Julie. Sécurisez toute la zone. On est pas bien là, les gars. On entrera tous ensemble. Accroche. Putain, c'est où, les gars? Et on descend. Attention, ma poulette. Pardon. Let's go, on s'accroche. What? Ah ouais, je l'ai accroché avec le coup. Oh, bon, purée. Ok, on s'accroche encore, on est pas mal. Donc, il faut descendre. Alors, où est-ce qu'on doit aller là? Ah, peut-être faire le... Non, peut-être monter en fait. Je vais pas monter là, je vais monter là. Escalader une paroi. Ouais, pas de soucis. À toutes les unités. Bien sûr, ça c'est possible dans la vraie vie. Le docteur Dominguez est en chemin. Oh non, je dois me dépêcher. Salut Luna. Et on y va. Nous avançons doucement, les amis, vers un temple que l'on a déjà vu dans le subgame. Pour ceux qui n'ont pas vu, let's go. On y va. Les saligots de Trinitaire, ils sont au taquet. Exactement, Lara. On descend, on va faire du droit de gauche ici, je crois. Allez. C'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Ok, nice. J'ai eu peur que j'ai eu peur de rater là. Tu regardes cette T'as pas envie de tomber là? Le jeu est beau. Et on se balance. Allez, balance-toi meuf. Ah, on va obtenir une gauche. Ah, ça a une belle balançade et let's go. Ouf, putain, c'est pété les genoux là. Voilà. On y est. Nice, putain, c'était une sacrée descente, les amis. Jonah, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les trinitaires. Des champotes, très bien. Quand j'appuie sur ma touche A, les amis, ça me montre un peu les objectifs qu'il y a autour. Allez, on va rentrer dans un petit truc. Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est ici qu'on peut mourir noyé. S'il n'y a rien... Ici, on peut lire un truc, mais on connaît pas. Les bas-reliefs sur ce monolithe Maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. Il y a un rat ici, on s'en fout. On ouvre ça. On fait attention à bien ouvrir tout ce qu'on voit, les amis. Hein. On examine pour gagner de l'XP. Easy. Tout le monde retient en fait, les amis. On est à 11%. Ici. Viser avec ça et tirer avec ça une flèche rapin. Ah oui, c'est vrai. Allez, arrache-moi tout ça. Voilà. La puissance de la Lara Croft. Ah, il y a des pièges ici. Voilà. Un petit piège passé, les amis. Quelle horreur les rats, tu sais. Mais où je suis tombé? Le genre de phrase qu'on pourrait dire à la rate de quoi? On va ramasser un peu tout ce qu'on voit. Là il y a un truc. Là il y a un truc aussi. C'est des champotes. Ok, on va ramasser le truc. Hein. Un point de compétence. Nice. On loot et on gagne des points de compétence. C'est pas beau ça, les amis? Arrache-moi tout ça. Eh ben, j'ai bien fait de prendre Shadow Tomb Raider. Hein. Vous allez kiffer. Des cellules. Monter là-haut. Allez, gratte, gratte. On a trouvé un truc au sol. Let's motherfucking go.
trop bien. Il est super beau le jeu, les amis. Hein. Profitez, les graphismes sont fous. C'est pas trop trop sombre sur votre écran? Moi, sur mon écran, c'est parfait. La lumière, elle est très très haute. J'ai toujours avec une luminosité très très élevée. Hop, un sifflement. Détruisez 5 sculptures de cité de la mort. Ok, ça c'est fait. Il y a énormément, énormément de chauves-souris. On a trouvé quoi là? Un récipient en céramique. Cette céramique précolombienne semble représenter deux dieux en pleine conversation. En revanche, je n'arrive pas bien à déchiffrer les glyphes gravés entre deux. Ça sent la moisissure. Ça sent la moisissure. Ça sent la moisissure. Très bien. On a découvert ce qu'il y avait dedans, de la moisissure. Merci. Merci Lara. Pour des chauves-souris, non. Allez, avance, avance. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, Lara. C'est ça qu'on veut voir. On essaie de bien tout looter, les amis. Dans l'eau, il y a du bordel aussi. On va y sauter. Wouhou! Contrôle G pour plonger. Attendez, oui, attendez, c'est par là qu'il faut partir, je crois. Donc on va. Oh. Putain, la nage est trop stylée aussi. La dernière fois, j'avais pas mis ces graphismes-là. Là, je kiffe. Ça, on a ça aussi à looter. C'est un coffre ça ou pas? C'est pas du tout un coffre. Okay. Est-ce qu'on a une grande longévité de respiration? Non, on respire longtemps quand même. Tu joues pas à la manette, mec? Non, là je joue pas à la manette. Les Tomb Raider, j'ai toujours fait à la souris clavier et j'aime bien. Et du coup, le Tomb Raider que j'ai fait. Y'a plus rien ici. Je crois qu'on a tout fait, les amis, ici. Je vais juste refaire un coup. Non, on a tout fait. Cette barre là-haut, c'est pour s'accrocher. Et les cheveux ne sont pas mouillés. La magie de Lara, les amis, hein, jusqu'à ses cheveux. Allez, on enchaîne. What? T'es un vrai homme, Toto. Ah bon? C'est poids, Sky. Allez, arrête ton autre. Allez, on enchaîne. Non, j'appuie sur le clic. En dessous de moi, il y avait les plantes, ça. Il y a un plan qui est. On va voir s'il n'y a pas autre chose à looter, je crois pas. What? Casse-toi! C'est quoi cette merde, les gars? Oh non. Voilà. Oh non, le malaise. Oh, le malaise. Heureusement qu'elle est toute fine, c'est pas Jonah qui passait là. Allez, allez, yeah. J'ai spawné comment? Oh, la claustrophobie. Oh, bordel de cul. T'imagines ça dans la vraie vie? Oh là là là, t'es pas bien. Les claustros, c'est ça. Oh, personne n'aime ces endroits, je pense, c'est horrible. T'imagines, tu te retrouves coincé là-dedans là? Une catastrophe. Je dois trouver le temple que Dominguez cherche partout. Le temple que Dominguez cherche. Le petit casque qui s'en va. J'ai besoin d'un couteau renforcé pour passer ici. Et je n'ai pas ce couteau renforcé, dommage. Avec l'arc, c'est relou pour passer. Mais attends, t'imagines. Et en plus, heureusement, elle est toute fine, hein, putain. Mais Lara est trop forte, évidemment, les amis. Vous voyez ce petit. Ouais, on peut pas le casser comme ça, faut vraiment que je m'approche et que j'appuie sur la touche.
dangereux ces merdes. Faut faire attention où tu marches, hein. On essaie de faire un peu attention. C'est la mort en dessous là ? Fine, elle a quand même une sacrée part. Fine ! Jusque là ! Jonah ? Non, pas le mort, on aura vu. Je suis dans un temple souterrain. Wow. C'est pas bon ça. Lara, les trinitaires entrent à l'explosif. J'entends ça. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Non, oui, ça. Je sais pas encore pour le moment, non. Allez, monte ma poulette. Ok, on est pas mal pour le moment, on a géré. Ah oui, là il y a des petites choses à faire. Ouais. Il va y avoir des petites choses à faire avec les chariots. Alors, on commence les petits puzzles, mes amis. Bien, j'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Les Tomb Raider. Les Tomb Raider puzzle. Je t'entends mal. Il y a de l'activité ici. Mon chat, tu joues sans mourir, t'es fou, mec, c'est impossible. Impossible que je meure pas, mec. N'importe qui, je pense, débute un jeu, c'est impossible qu'il meure pas. Même le meilleur speedrunner, genre. Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrive, je sais pas. Enfin. Vendez les minerais d'or en marchant. Matériel rare pouvant être récolté dans les veines de minerais ou trouvé dans des coffres au trésor. Ah, ça se fait des thunes, ça, c'est bon, ça. Il faut que je fasse monter cette cloche. Moi, je fais ça pour l'argent, les gars. Je dois trouver un moyen d'atteindre l'autre côté. Alors attendez, il faut que quoi ? Alors il faut que quoi monte ? On a quoi là ? On a le truc en dessous, on a le chariot. Il faut que je fasse monter cette cloche. Ouais. Et ça va faire quoi là ? Il faut que je monte là, je crois. Mais fonce, connasse! Excusez-moi, j'ai dit connasse. Mais... Oh non, je suis trop con! Ah, ça y est. T'es pas encore mort, Nozzy? Non. J'ai glissé, chef. Ah, tu fais quoi? Rip. Et de une. Mais attendez, mais c'est pas là que je dois aller? Mais c'est clairement là en plus. Pourquoi j'ai pas eu confiance? Je trouve ça très loin. Bon, c'est Lara, hein. Allez. Wouah. Eh, les amis. Non, on est d'accord. C'est un peu exagéré, là. C'est hyper loin, genre, elle flotte dans les airs. Moi, je reste là-dessus, j'ai pas peur. Tu devrais te mettre un compteur de mort. C'est vrai. Ah ouais, tu pourrais la... Attends, c'est bien, ça. Comment tu pourrais modifier... Attendez 2 secondes, là. Attendez 2 secondes. J'alt tab rapidement. Attendez 2 secondes. On va aller vite fait sur Wisebot. On va mettre point d'exclamation mort. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on va faire. J'y ai pas pensé, mais c'est une bonne idée. Hop, tu fais ça, tu fais mes commandes. Nouvelle commande. Ici. Point d'exclamation mort. Configuration, permission. Désactiver. Modification non autorisée. Ah non, tu peux la modifier. Merde. Cooldown. Comment on fait pour que tu puisses changer la commande? Comment on fait? Tac. Attention, on va désactiver le modérateur bypass. Donc, du coup, je vais juste mettre là modo. C'est pas moi, Wisebot ? Non, pas du tout. Et hey, salut, Foustar. Modo. Salut, Dani, ça va ? Cooldown. On s'en fout. Gestion de cooldown pour les modérateurs. On s'en fout. Bits, monnaie.
Ah, je sais pas comment on fait, les gars, pour que la personne change le texte. Nosy est déjà mort une fois. Bah, ça va, merci, Dani, tranquille. Okay, on a ça. Et comment est-ce que le cher Thomas pourra l'activer? Type de commande. Commande chat. Oh, Geoffrey, ça vaut quoi? Ah, je sais pas trop comment on fait pour. Ah, c'est dommage. Édition, suppression. Ah, pour l'exclamation CMB. Ok, je pense que c'est bon, Thomas. Alors, fait point d'exclamation mort. Ça va pas, je rentre dans l'ostéo. À l'instant là? What the fuck, man? Et après, fait point d'exclamation CMD pour commande. CMD. Et là, normalement, dans les commandes, tu peux aller modifier la commande, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici, dans ce beau jeu? Ça marche pas, non, ça marche pas. 130, 17h15, mais je suis mort. Ah, coup dur. Ok. Bah, je sais pas trop, Thomas, comment on fait alors. Faudrait que j'aille checker ça, tiens, le compteur de mort. Ah, super, tu changes la caméra, du coup, elle s'emballe. Alors, si t'avais pas, ça casse, ouais. C'est solide, hein. Ah, tu peux lâcher. Ah, c'est quoi la touche? C'est. C'est Arne dans la tête. Attendez, j'ai cru voir un crâne là. Attendez 2 secondes. Je vais aller là-bas, très bien. Ouais, non, je sais pas Thomas comment on l'a. Il y a plus moche que toi quand même. Plus moche? Non, je sais pas les gars. Non, 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 mais la commande est. J'ai voulu appuyer sur C, j'ai pas eu le temps. La commande elle est. J'ai appuyé sur Alt au lieu de C. La commande elle est. Je sais pas comment on fait. C'est un truc que vous devriez connaître en tant que modérateur, mais même moi je ne connais pas donc. Et là du coup je suis mort 2 fois et je sais pas comment vous le changez. Salut Renchi, comment ça va? Empalé! Cet homme est content. Salut Raton, ça va ou quoi? Est-ce que tu peux passer en dessous s'il te plaît? Du coup, je suis mort 2 fois, mais je sais pas comment vous pouvez faire pour changer mes commandes. Ok. Est-ce que tu peux sauter au-dessus des ficelles? Non. Oui, je crois que oui. 2 secondes, je check juste. Ok. Allez, poulette. Ah! Très mauvais plan, ça. J'aurais dû sauter à gauche ou derrière. 3 morts! 3 morts! Est-ce que je dois aller? Ah là, il y a une paroi, j'ai pas vu. J'avais pas vu la paroi. Moi, j'allais sauter sur la cloche juste après. Youhou! Je dois trouver un moyen de détruire ces débris. Ok. Je vais dire un petit coucou avant de quitter pour le boulot. Eh, hey, mais c'est très gentil, mon cher raton. Merci beaucoup de passer et bon courage pour le boulot. Bonjour, tu nous dis, salut à tous. La deuxième c'est ici, c'est vrai, Léon. Salut, ça va ou quoi? Je dois trouver un moyen de détruire Merci de ces passer. débris. Ok, détruire les débris d'Ando. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Si je me rappelle bien, il y a. J'aurais bien sauté mon tour pour le travail. Ah, bah écoute. Désolé pour toi, mon cher raton. Mais malheureusement, il faut bien qu'il y en ait qui bossent. Ah, ça, il faut que je le pousse. Kevin, 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 le tryharder de roquettes. Ok. Et là, je tourne. Attendez un petit peu. Admettons, je coupe ça. Oups. Tu vois des dollars dans mes yeux maintenant? Bien sûr, c'est évident. Si je fais ça, genre.
Non ? Donc, peut-être que je le tourne avant. Ok, relâche s'il te plaît, on va raccrocher du coup. Un peu con si je l'accroche pas. Je pense que d'abord il faut que je l'accroche, non ? Ok. Je le remonte. Peut-être. C'est très con parce que je veux pas que le truc soit dans ce sens là. Trois modos, t'es plus surveillé qu'en prison. Bah écoute, c'est pas tous les jours que je mets trois modos sur mon jade. Moi je suis content. À côté du chariot, il tire sur le rouleau. Renathan. Mais là ça va tout défoncer ou pas? Ouais ça va marcher. Parfait. Moi c'est bizarre, j'avais raison de choisir un jeu d'horreur, ça aurait été pour... ça aurait pas été pour mon jeu, il a préféré le petit boule de Madame Lara. Bah Resident Evil je l'avais déjà fait, du coup je me suis dit vas-y je vais faire Shadow of the Tomb Raider. Ah c'est vrai que tu dois être déçu Léon, et oui j'ai pas pensé à ça. Parce que Léon Gaming Resident Evil 2 dans son pseudo, hein, donc il est en mode... Je devais choisir entre Tomb Raider et Resident Evil 2, et malheureusement pour Léon j'ai choisi Lara Croft. Mais bon, moi j'ai apprécié l'expérience, mais Thomas, DRG, ils apprécient aussi. Hein. Moi j'apprécie pour le gameplay les gars. Salut. Nice. On ramasse. Ça va Nathan, ça a été le repas? Ok, ici on va monter. Ah, c'est où hein? J'ai jamais de toute façon, on m'a toujours dit. Ah, j'ai pas! J'ai répondu au chat, quel con. J'ai pas vu le. Ça fait 4 fois que je meurs. Bien sûr qu'elle fout du mouvement, mon pote. Et évidemment, je le laisse. Tu sais que j'ai baissé les graphismes, mais quand même, c'est un jeu solo. Merci, je vais prendre. Ok. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Je pense pas. Okay. On va descendre en rappel. Et let's go. Riz blanc avec riz rouge et du chou, mais j'aime pas le chou. Aïe aïe aïe. Spider-Man, Spider-Croft. Jonah. Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires ? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Un tsunami. Une tempête. Nice, ça Léon. Un séisme. Tsunami, tempête, séisme, putain, c'est pas la joie. L'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. Kukushkan. Kukushin. Kukushkin, c'était un joueur de tennis. On dirait la constellation de l'Hydra. Mais les étoiles ont l'air mal alignées. Allez, Paulette, aligne-moi tout ça. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. Ouais, on va réfléchir. Merde. Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi. Prends-la. Bien joué. C'est la boulette.
secours. Merde. Jonah, reste pas là, remonte. Non, non, tu l'as prise, c'est ça? Vite. Eh oui. La boulette. Diams. C'est Diams, quoi. Allez, il est pas content. Waouh, puissante. Waouh. Allez, tu passes. Ouais, c'est pour ça qu'on a des renforts. Ça va partir en steak, les gars, là. On pourra lancer des bouteilles de vin sur les ennemis. Oui, ça va, ça va. Dominguez arrive cette nuit, j'ai compris. Mais moi, ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer cette... J'ai fait Rise of the Tomb Raider. Je sais pas quoi, bordel. J'inspecte justement la pompe à eau. Bon. On va faire en sorte que tout se déroule correctement. Enfin, très mal. Mais genre, il est discret, là. Genre, là, il crie pas. Comment ça se passe avec la pompe? Ça se passe bien, t'inquiète. Réponds-moi! T'as fini avec la pompe? Ouais, il a fini, ouais. Viens m'aider à préparer les lampes. Non, Léon. L'opération Nuit Noire a commencé. Aucun des ouvriers locaux ne doit repartir vivant. Ah, merde! C'est préparé. Vérifie que la zone est sécurisée. Tu crois qu'on trouvera quoi? Je sais pas, mais il paraît que ça va être incroyable. On va vérifier que la zone est sécurisée avant que le commandant Rourke arrive. On sera prêt. Les inspecteurs arrivent. Soyez prêts. Merde. T'en fais pas, je vais réparer ça. Ah, qu'est-ce que c'est long. Si Dominguez doit nous attendre quand il arrivera, ça va pas être joli à voir. Ok, on les a défoncés. Normalement, ils ont un peu crié, mais on est pas trop tête là, on est d'accord. Ils sont un peu vexés, quoi. Medikit, nice. Objet de diversion. Ah oui, c'est ça. Hop, tu prends. Et là, tu jettes. On avait déjà fait ça, les gars. Comment manquer de respect? Yeah. Bref. Enfouillez monsieur. Sans vexer avec une flèche dans la tête. Et ouais mon pote. Alors on prend des flèches. Lui il a pris une flèche dans le dos le pauvre. Pas très très gentil de ma part mais bon. Mais je te fais pour les commandes mais je capte pas tout. Ah. Dis à Geoffrey, il y a peut-être... C'est dire non? Si c'est en anglais. Et la zone est sécurisée. Salut Neil, oh là là Neil. J'en ai fait une story Instagram de ton histoire. Je vais devoir faire vite. Voilà. Bon, on va s'occuper des corps. Toi, surveille les ondes de la police. Préviens-nous si quelqu'un signale des coups de feu. Rourke arrive avec les renforts. Je veux que tout soit prêt quand ils arriveront. Saleté d'archéologue. C'est bien fait pour leur gueule. Ouais, ça fait des années qu'ils essaient de savoir ce qu'on fabrique ici. Bien, ils ont compris. J'espère que ça valait le coup. Ouais, c'est con, on aurait mieux fait de s'occuper de leurs affaires. QG. QG à l'avant-poste, répondez. Avant-poste, vous êtes là? À vous. Ok, deux headshots, c'est cool. Ça va, petit Nail ou quoi? Merci de passer. Au rapport. Passe au prochain secteur. Oui, là-haut. Bien reçu. Il est pas visible. Nice, ça dégage. Arrête de te cacher. Bon, ils ont pris quelques flèches dans la tête. Hein. Des choses qui arrivent, les gars. Quelqu'un? Non, il y a personne. Je passe, je loot. Le looter fou. Ça, c'est quand j'appuie sur ma touche A, hein, les amis, que vous voyez ce truc-là. Bonne en plus pour les sièges. Ouais, on les a reçus il y a 5 minutes. Je crois que c'est une bonne idée de les ranger près du mur. Comme je t'ai dit, elles viennent juste d'arriver. On les transférera un peu plus loin ce soir. Ah, bien. Parce qu'imagine qu'un flic kamikaze balance une grenade par-dessus et qu'elle attaque. Grenade la compagnie. Je vais tirer dessus. J'ai besoin de la compagnie. Oh non. C'est la raccroche. Tirez. Non. Je me disais aussi, le mec il me voit pas, tu sais, c'est bizarre. Arrêtez, mais sérieux! Massacre nos hommes! Bah, massacrer! Bien reçu! Cible en vue! Ça va! Équipe
J'ai jamais aimé. On peut voir Counter Strike, moi, les gars. Oh. Pas de doux, je dégage. On voit là d'autres. On voit là d'autres, ouais. Je vais me balader, je vais monter là. Ah, ça me balance des nades, d'accord. Oh, on voit ça, d'accord. On voit ça aussi. On voit ça, c'est que de santé. Je dois prendre nades en fait. T'es déjà morte, comment ça? Je te conseille d'abandonner! Va me mettre à l'abri! Je suis à sec! Je vais te trouver! J'arrivais pas à sortir du mur! Allez, con, on finisse! J'arrivais pas à sortir du mur, les mecs! J'espère que c'était les derniers. On est bon, on est bon. L'homme château pour écrire comme ça. Ah non, Nail, c'est plus l'homme château, les amis. C'est le viandard. Messieurs, dames, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une story Instagram à aller voir. Une histoire légendaire. Créer une grande information. Maintenez ça pour créer une grande information. Sérieux? Waouh. Je suis en train de créer un compte Instagram juste pour aller voir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ok, on le tout ça. Bon, c'était un beau combat, les gars. J'ai juste pris une grenade parce que j'arrivais pas à sortir du wall. Mais c'est C pour sortir du wall, je m'en rappelle. Je continue à essayer de looter un petit peu, voir ce qui se passe. Salut Nathan, passe une bonne nuit et bon courage demain à l'école. Du tissu. Une boîte de conserve. Des munitions. Et j'irai voir après un Major 2. Je pense que c'est une majorité. Très bien. Très très bonne nouvelle. J'ai un fou en balle, ok. J'ai un pompe et tout, mais je sors d'où? Je sors d'où mon pompe, les amis? D'ailleurs, mon AR, je l'ai sorti d'où? Ok, on loot, on loot, on loot. C'est pas des moments pas spécialement. Fou ce outil, mais ça passe. Ok, j'avance. Tu n'as looté ces grands moches. Lui, il a été looté, je crois pas. Il a été looté, si. Pour l'instant, c'est un dommage. Après, en plus, tu fais la recharge manuellement. Il est beau votre planning, monsieur Nozzy. Il va être respecté, j'espère, toujours à l'heure, etc. Bah écoute, je vais essayer, mon cher Léon. Et toi, est-ce que tu seras toujours là sur mes streams, Léon? Et vous les amis, est-ce que vous passerez, vous rentrerez dans le fameux FC Lurk, les amis? Point d'exclamation, FC Lurk. Est-ce que vous voulez rentrer dans ce club, ce fameux club de lurker fou? Oh, salut. Je prends plein d'XP à looter en fait, c'est bien. Eh bien. Faut juste pas me... Oh, okay. J'ai pas vu. Je savais pas que la race avait pompé. Ah. Ah. Et on parle bien de fusil à pompe. N'oubliez pas que ça ira sur YouTube. La voilà. Arrêtez. Ne lui faites pas de mal. T'inquiète, Thomas. Lara Croft. Essaye, essaye, Thomas, vas-y. Lara Croft. Je ne pensais pas vous rencontrer de cette façon. Je m'intéresse de près à votre travail. Comme tous les Trinitaires. C'est à moi d'écrire cette commande, Thomas ? De chaque chef, les gars. J'ai sacrifié ma vie pour elle. Où est la boîte d'argent, Dichel? Donnez-la-moi. Elle est à l'abri.
sans la faiblesse, la cruauté. Et bien sûr sans tout cela. Mais sans la boîte. L'apocalypse. La mort du soleil. Vous mentez. Lara, vous l'avez senti en prenant la clé. C'était juste une secousse. Un tsunami se prépare, et ce sera le premier de nombreux cataclysmes, tout ça grâce à vous. Vous auriez fait la même chose. Certes. Mais en prenant la clé, vous avez déclenché l'apocalypse. Vous rendez-vous compte du tragique de la situation? L'épuration commence. C'est à moi qu'il incombe de l'arrêter avant qu'elle nous consume. Neil. Alors, l'épuration commence. On va s'empaler. Ultra bien fait. Que c'est à moi de jouer là. Oh. On va faire quelle horreur ça. Allez, nage, copine, nage. C'est un peu de d'avoir quand même. Bordel, hein. Tiens, écoute, tiens, écoute. Allez, vas-y. Voilà, le genre, c'est aussi. Ouch. J'ai peut-être plus fort que moi les amis, hein. Tout à fait possible ça. Oh c'est horrible ça par contre. Petit point d'eau ici. Petite poche d'air ici les amis. Fonce mon poulette, fonce. Allez, 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 tu niques tout. Allez, vas-y, 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 sors ton truc, vas-y, défonce-moi ça. Allez, vas-y, fais un effort, vas-y, vas-y, tabasse, 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 tabasse. Allez, 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 moi je vais pas rester dans l'eau, j'ai peur. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Oh mon dieu, un cadavre. Allez, allez, fonce, 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 poulette, fonce, 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 fonce. Allez, vas-y, c'est par là, vas-y, 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 vas-y. Allez. On rentre là-dedans, y a pas de soucis. On a quand même une sacrée respiration, ne l'oublions jamais. Allez, mette-moi ça là, prends. Clique, voilà! Défonce ça! Allez, allez, vas-y, défonce, défonce! Vas-y, défonce, je te dis! Vas-y! Voilà! Voilà! Voilà, respiration ultime, quoi! Fais attention, parce que t'as provoqué les yeux et les dames de la. Ouais, ouais, je suis désolé! Oh, attention, attention, attention! Aïe. Et le retour. Faut que je prenne de la hauteur. T'as fait déjà 4 fois qu'il meurt, j'ai dit 5 fois. C'est la brochette, putain. Voilà. Attrape-toi! Ah! Wow, 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 wow! Accélère, accélère, ma poulette, accélère! Allez, allez! Ah, superbe ça, vraiment! Ça fait grave plaisir qu'elle s'accroche pas à ça alors que c'est en face, ça dégoûte! Eh, pourquoi tu fais pas d'effort, Lara? Allez, let's go!
Non, non, c'est mal. Non. Oui, ça passe. Ah, mais avant, j'en ai de voir gamin là. Tourne à gauche, tourne à gauche, mais tourne à gauche, t'y vas. C'est raté, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi? Mais elle est con ou quoi? Mais elle se fout de ma gueule? Je vais me faire empaler à... dans cette scène, je vais me faire empaler les deux lions pas en fait. Vraiment rip hein les gars. Tu veux pas sauter meuf? Ah mais saute là, genre t'as une maladie ou quoi? Je la mets plus haut pour que ce soit plus facile, je vais faire la plus bas, tu sais. Au bout d'un moment, moi je peux plus les amis, hein. C'est trop hein. C'est trop pour moi, pas de compréhension. Ah, ça devient compliqué. Non, ne bouge pas. Essaye de t'accrocher. C'est quoi, je m'en parle avec lui. En fait, je sais pas où je dois aller. Je sais pas où je dois aller, les mecs. Je crois que je dois même pas sauter là. C'est la rue, elle est horrible. Mais du coup, je préfère m'en parler avec lui. Je préfère. Regarde où je suis, regarde d'où je saute. C'est pas du tout réaliste. Ça m'a saoulé. Je pense qu'il faut que je monte en vrai. Non, creo caer. Ne bouge pas. Essaye de t'accrocher. Allez, accroche-toi! Oh, quelle surprise, il va tomber! Non, arrêtez de m'écouter! Jean-Edouard! Bon, le pauvre, en vrai, c'est dégueulasse! Ouais, let's go! Quel embranchement qui reste! Vas-y, crie pas! Jonah! Lara! J'étais tellement inquiet. J'ai échoué. Pire. Comment ça? Dominguez, il a la dague. Je l'ai perdue. Après tout ce que mon père a dû endurer, j'ai donné au Trinitaire exactement ce qu'il voulait. Il utilisera la boîte et la dague pour recréer le monde. Le recréer comment? Je sais pas, il veut faire disparaître le péché, la faiblesse. Un homme comme lui, on doit l'arrêter. C'est ma faute. Ok, on s'en chargera, d'accord? Je te le promets. Non, 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 non! On doit atteindre la cité perdue avant eux, il faut qu'on trouve la boîte d'argent! D'accord, mais d'abord, on va s'occuper de ces gens et les mettre à l'abri. Puis on cherchera la boîte. Mais personne ne sera à l'abri! Pas s'ils trouvent la boîte avant! Je dois y aller, je suis la seule à pouvoir faire quelque... La seule à pouvoir faire quoi? Pourquoi ce serait ta faute, Lara? Arrête de penser que le monde tourne autour de toi. Ces gens ont besoin de nous ici. On peut être utile. Et puis, qu'est-ce qu'on a, hein? Une énigme? Il va nous falloir bien plus qu'un poisson rose et une couronne d'argent pour trouver la cité perdue. C'est pas leur meilleur date. Je vais aider ces gens. Je trouverai un avion. Petit avion. Tiens, la piscine municipale, mon gars, ils ont les remous et tout, quoi. Trop stylé, la piscine à vagues. Ça défonce, hein.